Pour moi, si vous voulez, la réussite, le summum, quand on aura une femme qui sera DGS de la région, je dirai, ah oui, on a réussi. Je pense que la positive attitude, c'est ce qui doit nous permettre de franchir en fait les différentes étapes au quotidien et de faire de nous ce que nous sommes. Bonjour, alors je suis Francine Garnier-Arbeau, donc je suis en région depuis février 97. Ça fait 25 ans au mois de juillet que je suis agent de la collectivité régionale. Alors je suis actuellement directrice de l'environnement et du cadre de vie à la région Guadeloupe depuis 2017 et en fait je mets en place les politiques de transition écologique de la région, donc toutes les politiques environnementales, donc à travers la problématique des déchets et de l'économie circulaire, la problématique de la biodiversité, la problématique de l'adaptation au changement climatique, la problématique des sargasses, la problématique des risques naturels et également la problématique de l'éducation et du développement durable, ainsi que la santé, qui est un axe de ma direction en fait. Alors, ce qui me passionne dans le métier, si vous voulez, c'est le fait que, quelle que soit l'action que je mène au quotidien, compte tenu de la thématique dans laquelle j'exerce mes fonctions, j'ai une certaine utilité sur le territoire, sur la population de manière générale, sur le bien-être, sur l'amélioration du cadre de vie de la population guadeloupéenne. C'est ce qui me passionne. Je sers à la fois les intérêts de mes collaborateurs en les accompagnant à la réussite de leur mission, mais je suis également là, si vous voulez, pour accompagner l'administration régionale à pouvoir réussir dans ses missions, à réussir l'exercice de ses missions. Si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent aller au bout de leurs rêves, ayez confiance en vous. Soyez force de proposition, ayez du caractère, ayez de l'envie, ayez de l'engouement et allez-y, foncez, défoncez les portes, mais allez-y, rentrez. Peut-être que vous allez échouer, hein. Si vous échouez, c'est pas grave. Je suis une éternelle optimiste. Quel que soit ce que je fais, je pars du principe que je réussirai.